Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h, on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee. Toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Dès que vous me voyez là, je suis mort. J'ai même pas la force de reposter les stories. La vie au sang, c'est fini, putain. C'était une soirée de malade. Félicitations à tous les participants, félicitations à Fares qui a gagné. Demain, je vous raconte tout et demain, je repose tout. Mais là, je suis mort. J'ai plus de force. Bonne nuit, la famille. Gros bisous à tous. Dormez bien si vous n'êtes pas déjà couchés. Je vous embrasse. Moi, je vais m'endormir sur toutes les mélodies que je viens d'entendre. Et c'était magnifique, sa mère. Comme il dit Alrima, donne la force, ta mère. Dites la vérité, McDo c'est quand même le seul repas que tu kiffes manger, mais tu détestes digérer. Moi je le rôde pendant 2 jours. Soir j'étais trop KO pour en parler, mais ça y est, l'aventure de l'Avio Song a touché à sa fin hier soir. Le live a duré 4 heures, 4 heures pour le dernier show, c'était énorme. On a eu que des chanteurs et des chanteuses de dingue, bravo à tous. Toute cette semaine, tout le monde s'est surpassé. Ça a été un show magnifique avec des invités incroyables. Il y a eu Tragédie, il y a eu Singila, il y a eu Léa Castel, il y a eu Franglish, il y a eu Taiki, il y avait Skrid, il y avait Alrima, il y avait DJ Leska, il y avait César est passé, il y avait Isabelle qui était avec nous, il y avait. Et tout le monde était là. C'était un show magnifique qui se termine bien, même s'il y a des déceptions parce que tout le monde veut gagner. Mais au final, il n'y a pas vraiment de perdant parce que ça a ouvert des portes pour tout le monde. Et c'est pour ça que je suis très fier qu'on ait pu mettre en place ce projet qui, pour une fois, n'a pas eu besoin de femmes qui twerk ou de parler de cul ou de créer des clashs pour intéresser, pour que les gens viennent et kiffent et que du good mood, que des good vibes. Et je suis très heureux. Il y a eu des beaux cadeaux toute la semaine. Et hier soir, on a fini en beauté parce qu'il y a eu le grand gagnant du disque d'or de Vi qui a été remis à VG Dream, qui va lui être envoyé du coup. Mais au final, tout le monde est gagnant parce que DJ Leska et moi, on a passé une semaine énorme. Ma petite sœur s'est décarcassée, elle l'a pas fait pour rien parce qu'on était chargé d'émotions hier soir. C'était magnifique. Et voilà, très fier qu'on ait pu mettre en place ce projet. Merci à Caïs, merci DJ Leska, merci frérot d'avoir fait ça avec nous. Et merci à tous d'avoir suivi. Bravo aux chanteurs et chanteuses. Et surtout, un grand bravo à Fares, le gagnant. Et l'aventure commence maintenant. Et d'ailleurs, elle commence pour beaucoup d'autres aussi parce que les opportunités sont nombreuses, même pour ceux qui n'ont pas gagné. Bravo à tous. Grand gagnant du Live Your Song, organisé par DJ Leska, Laetitia et moi, et partir en studio, enregistrer un hit pour le prochain album, Monsieur! Monsieur! Je démonstre. Ok la famille, un petit message pour vous dire merci, merci, merci. Live Your Song, c'est terminé. On a enfin notre gagnant, c'est Fares. Fares, félicitations à toi. Félicitations à tous les participants qui ont participé. Allez, vous êtes prêts? Comment fait le chat? Miaou. Comment fait le chien? Ouf. Comment fait l'oiseau? Tipi. Comment? Malade, ça. Ouais, c'est un oiseau fatigué. Comment fait le dauphin? Comment fait la baleine? J'en étais sûr. Ma parole d'honneur, le savait 100 fois. Ta commande McDonald's, McChicken, Big Mac sans fromage, Nuggets. Et toi? Mais j'en sais rien. Tu manges tout toi, c'est pas McDonald's. Kimito vient d'en manger un. Pete.
On va voir si tu me connais bien. Allez, allons-y. Je faisais deux sports quand j'étais jeune. Lesquels ? Du foot ? Ouais. Et de la natation ? Pas du tout. J'improvisais. Je faisais du judo. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai oublié. Ok, autre question. Pépite, ouais. Je mesure combien ? 1m80. Pas mal. Je pèse combien ? 72 kilos. Pas du tout. Je sais pas. 80. Ah ouais ? Bah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah, je sais pas. Autre question. Est-ce que j'ai une technique pour faire de l'argent même en bronzant la plage ? Ah, ce qui paraît, ouais, ce qui paraît. Ah, je lui raconte après. Tout à l'heure, j'ai demandé à Pépite s'il y avait un moyen de gagner de l'argent en bronzant. Mais il y en a un, c'est lequel ? Tout à l'heure, j'en ai parlé déjà, elle le sait. Le trading. Exactement, ma gueule. Je vous explique, ça fait déjà un petit moment que je vous en parle. Vous savez que moi, personnellement, ben, j'ai commencé à m'y intéresser il y a à peu près un mois. Et plus je m'y intéressais et plus je découvrais. Et c'est comme ça que je suis tombé sur Axel, grâce à qui, en découvrant ses snaps et en suivant ses stories, ben, j'ai compris que le monde du trading, il n'est pas inaccessible et il n'est pas dédié uniquement à une élite de gens fortunés à travers le monde. Il est accessible à tout le monde et c'est pas un univers qui est très compliqué du moment qu'on nous l'explique avec les bons mots. Et c'est comme ça qu'en suivant ces stories, j'ai compris exactement ce qu'est le trading et c'est comme ça que j'ai décidé d'investir un petit budget pour démarrer. Et plus ça va et plus eh ben, j'ai des profits. Et maintenant, ben, j'en ai discuté avec Axel. C'est un agent de la Trading Academy qui va s'occuper de mes investissements directement. Ce qui est ouf et très bon pour moi parce qu'au moins je sais que je suis entre de très bonnes mains. Les questions sont nombreuses et c'est légitime parce que même moi, au départ, j'étais un peu perdu. Je ne savais pas exactement ce que c'était. Donc, j'ai eu la chance de tomber sur Axel. Et c'est bien que vous m'envoyez des messages, que vous posiez des questions. Malheureusement, je ne les vois pas tous. Donc, ceux pour lesquels j'arrive à répondre, tant mieux. Et sinon, pour les autres, vous avez Axel. Je vous mets son snap, pardon. Il répond à toutes vos questions. Et c'est ça que j'aime chez lui, c'est que il est comme vous et moi. Il fait des stories, voilà, où il déconne, il vous montre son quotidien, il vous filme l'intérieur des bureaux avec tous les agents, il vous filme les graphiques de tous les tradings et il vous répond toutes les questions que vous posez, harcelez-le. Moi, j'ai sympathisé avec lui et du coup, maintenant, ben, j'aime bien lui faire un petit peu la misère. Donc, je demande à tous mes abonnés, toutes les personnes qui regardent ma story, de lui envoyer des messages. Harcelez-le, posez-lui des questions sur le trading et il est là pour y répondre, c'est son taf. Il le fait avec plaisir, il a de l'expérience. Tous les agents qui s'occupent de vous ont tous de l'expérience et ils sont 12. Donc, il y a de quoi répondre à toutes les demandes. Et je vous remets le lien que vous m'avez demandé. Bon, du coup, l'équipe, c'est Axel à la Trading Academy. Regardez, je vous montre un petit peu tous les conseillers qui sont là pour vous répondre si jamais vous voulez nous rejoindre. Et si vous voulez poser des questions, en savoir un petit peu plus. Si jamais vous voulez parler de trading, ça va se passer ici avec les traders. Regardez, là, ils sont en live avec tous nos investisseurs. Je suis en train de répondre à vos questions et d'analyser les marchés. Donc, si vous avez tout suivi, pour le trading, ça se passe derrière, pour la connaissance. Et pour nous rejoindre, ça se passe devant avec tous les conseillers. Donc, les gars, il manque plus que vous. On vous attend. Tout le monde est dispo. À très bientôt. Voilà, vous savez tout. Plus de 4000 membres, plus de 4000 personnes qui leur font confiance. 12 agents qui sont là pour répondre au téléphone si vous avez la moindre question, qui vous accompagnent. Et voilà, un chiffre énorme qu'il réussit à faire avec ses équipes, c'est des experts, c'est des professionnels, ils sont là pour ça. La seule chose à savoir, c'est qu'il faut avoir 18 ans, vous le savez, et qu'il faut y aller petit à petit. Il ne faut pas faire n'importe quoi, tout envoyer et dire c'est bon, allez, c'est de la magie. Non, c'est du travail, c'est de l'investissement et c'est pour ça qu'il faut discuter avec lui, lui poser vos questions et y aller pas à pas. Il ne va pas vous promettre n'importe quoi, il va vous dire qu'il faut y aller doucement et petit à petit, tu vas voir que ça va réussir et on va prendre le temps de faire les choses bien, d'analyser et d'être très intelligent dans la stratégie qui sera mise en place en fonction de chacun. Moi, j'ai démarré tranquille et plus ça va et plus on progresse. Donc voilà, vous avez toutes les infos, je vous ai mis son snap, ajoutez-le en max. Intéressez-vous à ces stories, comme ça vous ferez une idée par vous-même.